بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le fadl salat al-jama'a, vertu de faire namaz dans jama'at. Hadith 1068. وعن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجيه والذي نفسي بيده مفسرمان لجيه مفسرمان لو celui qui me la vie de sur la main ça veut dire مفسرمان لو الله لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. What you pay envie qui me donne l'eau pour amener du bois. Et du monde amène du bois, comme je dis, faire un tas de bois là. Du bois, c'est du bois sec. Ça veut dire du bois qui servit pour aller me faire. Thumma amura bis salati fayu'adhana laha. Là, là, me donne l'eau pour faire namaz. Et du monde donne azan. Thumma amura rajulan fayu'umman nas. Là, là, me donne l'eau et du monde pour faire namaz, pour faire imam, c'est-à-dire. Donc, on est Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il fait imam. Il dit, non, cette fois-là, il donne l'eau dans l'autre du monde, fait imam. Et là, lui, qu'il fait, il dit, thumma, ukhalifa ila rijalin, fa uhadriqa alayhim buyutahum. Et là, moi, get ban du monde qui j'ai pas fini de faire namaz dans jamaat, dans masjid, moi, le brille, j'ai la case, l'eau, j'ai. Ça veut dire, ça m'a dit, bois qui ne ramassait là, al alim jife ko chaman di mon la al bril de ta case. C'est quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas fait jamais li fin pini man di mon pour qui jote une kit ça veut qui jote reste la case pour faire namaz pas vin dans jamaat. C'est d'ailleurs pour ça qui donc beaucoup ban ulama comme mon jote nas beaucoup ban ulama dit qu'il est wajib aynan en a certain ban ulama dit qu'il est wajib aynan. Mais ça, ce n'est pas la majorité normalement. Même ce qui dit wajib là, il dit c'est kifayatan. Kifaya veut dire, ça veut dire, pas le chacun individu qui m'a dit, il est obligé à le faire dans jamaat, mais il y a un groupe du monde. Si un groupe du monde il fait jamaat, ça veut dire responsabilité à lever. Mais seulement, nous, mazhab, l'opinion qui nous, ban ulama, c'est qu'il est sunnat mu'akkada. Parce que si il est wajib, si il est obligatoire, si il est faraz, alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux alpiner un djimoun qui n'a pas fait namaz dans le jamaat. Mais là, les isines expriment ça, quelque chose là qui est assez sérieux pour montrer l'importance et faire namaz dans le jamaat. Et il y a une spécificité là-dedans, c'est que ce qu'il dit là, il est dirigé vers ban munafiq, ban hypocrite. Ça. Pas pour ban musulman, ça, c'est pour ban hypocrite qui, je suis content, pas venir faire namaz dans jamaat. Alors, comment dire, pour autres, systématiquement, il y a une niyat, une mauvaise niyat derrière pour quitter jamaat. Alors, nous trouvons que quand il y a une mauvaise niyat pour quitter jamaat, il n'est pas bon. Alors, alhamdoulilah, nous peine à munafiqat dans nous, peine à l'hypocrisie, mais il est capable de la paresse, il est capable de négligence. Et dans certains, dans les autres riwayat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit là-dedans qu'il, mon père, comment dire, m'a hésité à cause, qui dans la case là, il y a madame enfants aussi. Puis il y a juste Saint-Michel qui pas venu masjid là, mais il y a madame enfants aussi. Donc, une bonne raison qui fait, il pas fait. Alors, ça montre nous, qui quand c'est sérieux, il était, qui, besoin de venir namaz dans jamaat. Alors, il y a certains dimons comme ça qui, vous trouvez pendant une semaine, un mois, il n'est pas là, il n'est pas dans masjid. Ça, c'est une mauvaise habitude. Ça, c'est une mauvaise habitude. Alors, dis bon, nous faisons des efforts. Ben, madame, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage, je qui, allez, disons, pas gagner 5 fois namaz dans masjid, mais au moins un peu, ben, les namaz, vine dans masjid, vine faire namaz. Alors, un des ben namaz qui, lit facile pour vine masjid, facile, enfin, entre guillemets, aujourd'hui, c'est namaz fajr. Quand longtemps, dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas difficile. Mais à ce stade-là, il est pas compliqué qu'il fait, parce que, qui, quelque chose qui empêche nous, vine dans masjid, c'est pas, à cause faire noir. C'est pas à cause nous ban simé dangereux. Nous pas pour un serpent, nous pas pour un animal féroce. Faut c'est au cargain délicieux. Ban quelque chose qui se peut empêcher du monde vin masjid avant, pénalier à ce terme. Mais là, ban les autres affaires qui empêchent du monde vin masjid à ce terme.
c'est l'occupation. Du moins, là, ils travaillent, par exemple, dans les Assar, dans les Azohar, ils travaillent. Et enfin, les Maghrib aussi, ils sont encore occupés. Mais les Fajr, du moins, là, la case. Tout du monde, la case, ça l'est là. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher de lever une masjid. Mais malheureusement, c'est l'air que je trouve moins du monde dans la masjid. Et l'air Isha aussi, il y a l'air qui est plus, comment dire, approprié, convenient pour une masjid. Alors, les bonnes fins, il faut au moins un des namaz, mais pas quitte masjid à les mêmes, reste la case, une semaine, deux semaines, trois semaines, ou soit un mois, ou soit du monde là, il vient masjid 10 jours du mois. Alors, nous connaissons que jour du mois, ça, il faut pour faire namaz dans jamaat. Situation que namaz dans jamaat, li faraz aïnan, ça veut dire faraz, le sac individu, c'est jumma, parce qu'il nous connaît peine à jumma, apporte dans jamaat. Alors, prochain hadith, 1069, wa'an ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qal, apporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le grand sahabi, li en parmi ban grand ulama, dans ban sahaba, ban mujtahidin, et le fin al un bon bout de temps après Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fin al établir dans Koufa, dans l'Irak, côté là-bas, lit ensemble avec 1500 ban sahaba, j'étais faire l'islam répandre partout, et arrive un moment côté Koufa, donc c'était une de ban source de la connaissance, et là-bas même nous trouver qui est dans ban l'école de pensée, beaucoup ban l'école de pensée fin commencer. Donc c'est à travers travail Saban grand sahaba là. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu le dit: Man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman. Celui qui content pour les joindre Allah demain. Demain ça veut dire quand les mots yawm al-qiyam. Musliman en tant qu'un musulman, en tant qu'un qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Falyuhafiz 'ala ha'ula'i as-salawat حيث ينادى بهن كي لي بريزيرف كي لي فان زيفو غود سبان نماز لا ça veut dire cinq clés namaz حيث ينادى بهن dans place que tu ne fais appel à ça veut dire sa place que tu ne fais azan là fait namaz là bas ça veut dire dans masjid. Alors qui ça dit mon là lui fait un zéfo pour établir sabban namaz là dans masjid. Fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al-huda, parce que Allah subhanahu wa ta'ala li fin prescrire li fin amène vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vers le prophète sunan al-huda ban sunnat de la guidance. Sunnat veut dire une façon faire, une méthode. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne li une méthode, une sunnat de la guidance, pas mener les gens vers le droit chemin. Wa inna hunna min sunanil huda. Et ça, ban namaz là, ça veut dire qu'il va aller ou elle fait namaz dans jamaat, dans place que tu finis de nazan là. Ça, ils font partie dans sunanil huda. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sunnat, ce simé, ce manière faire, ce façon faire, ce mode de vie qui amène vers al huda, ça veut dire la guidance. Ça même qui la guidance là, une seule guidance. C'est simé, c'est façon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le dit, « Walau annakum sallaytum fi buyutikum. » Si je tiens pour faire namaz dans autre la case, « Kama yusalli hadhal mutakhallifu fi baytihi. » Pareil, comme ça, bandimoun qui est mutakhallif. La mutakhallif, c'est bandimoun qui, je quitte jamad, je t'allais, je t'ai sain de côté, je tout seul, je t'apporte. Je quitte jamad, je t'apporte. Alors, ça m'a dit, là, je ne pas pour faire namaz dans masjid, je peux faire namaz dans la case. Alors, si je dis pareil, si je dis pour faire namaz dans masjid, pareil, comme ça m'a dit, là, la taraktum sunnata nabiyikum. Alors, là, je peux quitter, je dis pour une quitte, sunnat de votre prophète, méthode de votre prophète, alayhi salam. Donc, là, nous trouvons qui fait namaz dans masjid avec jamaat, c'est un sunnat mu'akkada, ça veut dire à l'emphase, là. Alors, c'est lui qui systématiquement pour quitte ça. Alors, il prend du monde qui tourne les dos, qui quitte sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sunnat mu'akkada, ça. Ça veut dire, faut donner une raison valable pour qu'il y ait du monde, il n'est pas fini de faire lui. Si, il peut faire ça, il y a l'habitude pour pas venir au masjid tous les jours, il y a un problème. Il y a du monde là pour qu'il y ait un péché.
ولو تركتم سنة نبيكم لكونتينيي لي دير اي سي جو كيت سنة جو بروفيت عليه السلام لا ضللتم جو بو بيرجي سيمي جو بو بيرجي سيمي ولقد رايتنا وما يتخلف عنه عنها وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق اي moi ça veut dire que Sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu là il dans l'époque après Rasulullah sallallahu alayhi wasallam il cause avec Banjimon les gens fin trouve ban l'époque quand namaz dans jamaat personne pas quitte lui excepté munafiq معلوم النفاق c'est qui ce nifaq ce l'hypocrisie fin établi tout le monde connaît ça munafiq ça ça dit mon là qui quitte namaz dans jamaat ça veut dire que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف اي مكن انا ديمون كي لي بي بالوتي لي بي فيني كما دي لي تيلمون تيلمون فيب كي لي بي فين ان دي ديمون ان ديمون ان اتابلي سان كوتي لا لو ديمون ان اتابلي لوت كوتي لا لي بي فيني انسام افيك جو تيلمون لي فيب لي بابي كاف موسي مي ستيل لي بي فيني كي فير pour les vins faire namaz dans jamaat hatta yuqama fi saf jusqu'à les vins les djibouter dans saf il pas même brand 16 non les vins dans sa faiblesse qui pas peut car moi c'est là les vins les djibouter dans saf les gens ont fait une conne à l'époque là ont fait une conne sa qualité du monde là alors pour montrer qui ça à l'époque là quand il peut causer donc bonnes affaires fini commence changer un petit peu wa fi riwaya dans l'autre riwayat قال لجيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى certainement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne sunan al-huda sunnat ban sunnat de la guidance wa inna min sunan al-huda as-salata fi al-masjid alladhi yu'adhdhanu fihi et parmi sa sunnat al-huda la sa sunan al-huda la sunan c'est pluriel de sunnat et na namaz dans masjid dans lequel fin fait azan sa place quand il fait azan la namaz là alors nous get dernier hadith dans ce chapitre là 1070 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رابوتي بسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جي ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان نبوت كائنا تواجمون dans une qarya. Qarya veut dire une place, un village. Ça veut dire une place que normalement pena jamaat. Nous apprenons l'exemple, une place que tina le pena masjid là-bas. Pena place pour du monde réuni faire namaz. Une place retirée. Ou soit badouin. Badouin c'est désert. Ça veut dire quand du monde peut voyager par exemple. Ou ça veut dire une place qui est retirée. Pena masjid, pena place pour le faire namaz, pena azan, pena tout ça là. Alors quand il y a trois du monde là-dedans, il arrive le namaz. Et ils ont pas, comment dire, pas fait namaz djibout pour eux. Ils ont en d'autres mots, pas en un djimoun qui fait ikamat, que là, je suive dans namaz, dans jamaat. Et ça, trois djimoun là, si je peux faire j'autre namaz, je peux faire lui tout seul, je peux pas faire lui dans jamaat. Pourtant, j'autre ensemble là. Illa qad istahwadha alayhim shaitan. Ça, trois djimoun là, alors, c'est qu'il est arrivé. Si je peux pas faire ça, ça veut dire que shaitan fin gagne le dessus aux autres. Shaitan fin gagne le dessus aux autres. Et na certains ulama expliqué que ça dit mon ça ban dit mon là il possible qu'ils ont une rate namaz là aussi ça veut dire ça hadith là il est capable veut dire qu'il y a trois du monde qui peut qui ensemble dans sa place retirée là les namaz in vini je pas faire namaz ou ça c'est une faire namaz mais je pas faire namaz dans jamaat ensemble là tu qamu fihim as-salat veut dire qui namaz pas fin djibout parmi eux fa alaykum bil jamaa les gens alors j'ai besoin de rester ensemble avec Jama'a. Alors ça, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, là, il y a important, ça bout là. Fa'alaykum bil Jama'a. Alors, reste ensemble avec Al-Jama'a. Dans ce sens-là, du terme. Fais namaz dans Jama'a et reste ensemble avec la communauté. N'a pas sorti un côté, n'a pas le faire un secte un côté, n'a pas reste à port. N'a pas reste à port. L'élème qui prenait un secte, reste avec Jama'a. Comme les autres hadiths disent, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Yadullahi ma'al jama'a. Allah sur la main. Ça veut dire Allah sur. Allah li avec al jama'a. Alors, quand la communauté, la majorité de la communauté, à l'unanimité, se réunit loin de quelque chose, alors, li bon ça.
ma communauté tout le temps les réunit la vérité, les pas réunit la fausseté. Le lamu gagne l'ijma. À cause ça nous sa groupe sa al-firqatun najiya, sa groupe qui lit dans le bon chemin là. Parmi un groupe qui poupé à dissimer, un groupe qui pour dans bon chemin, sa groupe là comment appeler? C'est ahlus sunnati wal jamaa. Les gens de la sunna, comme on a fini trouver avant dans le hadith précédent, sunna, sa sunnat al-huda là, qui suivent sa guidance là, wal jamaa et avec al jamaa. Alors sa jamaat là, qui sont là qui est dans sa jamaa là, et na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et na man sahaba, et na man tabi'in, Ibn Mas'ud parmi là dans man atba'i tabi'in, avec ban awliya, ban différents salasil qui est là, jusqu'à nous l'époque. À cause ça, ahlus sunna wal jamaa, quand nous prenons n'importe qui élément dans nos connaissances, qu'il est dans le Coran, qu'il est dans le Hadith, qu'il est dans le Fiqh, qu'il est dans l'Aqida, alors quand nous remontons, nous trouvons une chaîne qui continue jusqu'à le Sahaba, jusqu'à Rasulullah. Alors qui nous trouvons les autres Firaq, les autres la chaîne qui est coupée quelque part. Et une place qui est coupée, pas qu'on est allé là. Alors, fa'alaykum bil jama'a, reste ensemble avec jama'a. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية parce que les loups qui moutons qui les prend les manger les loups là ils pas pour venir foncer dans un troupeau mouton les veiller les djibouter les veiller comment il y a un mouton qui quitte troupeau qui n'allait ça lui vient une proie facile pour lui ça il ne prend ça là y aller il pas pour besoin aller à l'ité à la guerre et na berger tout ça là qui pour donner les problèmes non comment un mouton qui quitte troupeau les prend les aller c'est un travail comme ça comment un djimoun qui quitte jamaat qui n'aller alors facile le travail vous trouvez djimoun qui pas pouvait une masjid qui pourrait se rester la case c'est pas après combien le temps on trouve lui dans masjid ou ça lui vient juste djumma après ça il pas connu masjid du tout alors ça c'est un djimoun qui c'est pas une proie facile pour shaitan alors il est facile pour shaitan là j'ai bedou miaster. Non, on est fatigué d'homme, finalement, ça dit, on a trouvé souvent l'in ratnamaz, c'est-à-dire, souvent l'ipé ratnamaz, souvent l'ipé fait son namaz un peu, bicyclette, bicyclette, l'ipou gagne un peu, paris, paris. Donc, il a beaucoup bien fait, qui l'ipou privé. Alors, nous faisons droit, qui Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous tawfiq, reste ferme le jamaat, namaz dans jamaat, donne-nous tawfiq. C'est une affaire qui est difficile pour nous, pour moi, pour eux, parce qu'il y en a nous, nous avons distance, par exemple, avec nous, nous avons l'occupation. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait lui une facile pour nous. Pour God, namaz dans jamaat, tous les jours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nous là-dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse nous, surtout nous, les jeunes, dans al-jama'a, la vérité, la sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.